que je vous propose pour finir, c'est un petit florilège des vidéos. Ça vous donnera des idées de manip à faire chez vous. Voilà. Alors, je vais commencer là-haut. Alors ça, c'est une manip. En fait, vous pouvez acheter donc un petit carrousel. Vous mettez la bougie en marche. Vous le lancez, donc il tourne. Et puis votre objectif, cette fois, justement, c'est d'arrêter. Voire de le faire tourner en sens inverse. Tout sympathique. Vous allez voir, ici, je vais aller tout de suite, voilà. Donc là, on voit qu'il se ralentit. En fait, il s'est ralenti deux fois dans la vidéo, il est après, on a sorti, on a redémarré. Je ne sais pas ralentir les TGV par Africa. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est la façon dont sont foutues les ailettes. Et que normalement, il n'y a aucune raison pour que tu puisses tourner justement dans ce sens-là. Puisque l'air arrête par en dessous et pousse tes ailettes pour tourner comme ça. Donc là, vous voyez que non seulement il se ralentit, mais il part en autre sens. Et donc, c'était l'intention juste. C'est l'intention d'arrêter et de partir en autre sens. Donc, mais c'est, voilà, c'est... Après, on peut, voilà, c'est clair que l'objectif, c'était d'arrêter de partir dans le sens. C'était un jeu pendant un moment, plutôt. Voilà. Donc, du même type, donc, le même carrousel, vous voyez, qui tourne, là, il a ses petits leviers qui tournent dans le sens inverse. Donc, même chose, le carrousel, si c'est, on peut dire, si, ah oui, ben, c'est la chaleur de Charles Dama, pourquoi pas, mais si c'était la chaleur de la main, il y aurait vraiment une conviction qui montrait là, et qui pourrait tourner le mobile dans l'autre sens. Là, il tourne dans le sens inverse. Voilà. Voilà. Une vidéo de notre écart dans un bocal fermé. Là, c'est un bocal qui est renversé. Donc, le pied est là. Hein, donc, on est bien fermé. Ça tourne moins vite, mais ça tourne quand même. Alors ça, c'est... Oui, c'est un petit bijou, ça, parce que c'est... Vous parlez du radiomètre de course, effectivement. Alors en fait là c'est un petit effet taquet entre guillemets puisque on en parlait ce matin, puisque Karl met la main en fait au début de la vidéo à côté du mobile, là, ici, et puis après il ôte sa main, à ce moment-là le mobile part dans l'autre sens, donc dans le sens où le radiomètre de course il n'a pas tourné dans ce sens-là, et ça ne dure pas 30 secondes, ça dure 2 minutes. Quoi. C'est la fameuse roue de vitalité. Donc là, en fait, il y a un petit effet stroboscopique sur la vidéo, en fait. La vidéo initiale, on voit bien, mais pour la compresser, ça a fait un petit effet stroboscopique. Ouais, là, ça tourne. Et après, comme on se dit, bah oui, effectivement, ça peut être de la convection. On met un carton autour, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est les manips que vous pouvez faire chez vous, sans problème. Voilà. Roulant de carton, vous tournez avec des deux trombones. Hop. Donc avec votre pyramide, par exemple, si vous craignez que votre pyramide ait un carton, vous mettez votre pyramide, vous mettez votre carton autour. Alors Pierre, il a fait dans le genre, il a fait des trucs assez sympas aussi. Voilà. Alors lui, il a fait tourner trois en même temps, sans mettre les mains.
Au milieu, là. Il y a des un conteneur en verre, en carton, et après il a mis des bouffes. ça fait très litty. Justement, ça fait partie de ce qu'on a dit dans les perspectives, c'est d'étudier un peu entre carton, verre, métal, etc., en mettant différents trucs. On sait très bien qu'aujourd'hui, des cartons, on y arrive plus facilement qu'avec du verre. Il vaut mieux commencer par ça, parce qu'on est lisé. Bon, après, c'est... Là, c'est un peu la surenchère en termes de total. Qu'il arrive à faire tourner les chats. Est-ce que les expériences le chat de Heidelberg, non. Est-ce que les expériences ont été faites dans un liquide? Oui, avec un nuage de poivre. Non, ah oui, non, il y a des rotations faites dans un liquide. Oui, Steven, il avait fait une petite rotation, mais très très lente dans l'eau, mais il faut voir la densité de l'eau par rapport à l'air. Ah, ouais, parfait. Il y en a une récemment de Laurent. Certains objets sur lesquels on peut buter, si on pose dessus un objet avec lequel on est à l'aise, et ben l'ensemble va tourner alors qu'il est plus grand. C'est pour ça que quand on veut faire tourner une cuillère, par exemple, et qu'on est plus à l'aise sur un bout de papier, ben on pose le bout de papier sur la cuillère, alors on essaie de le fixer, et en fait, en agissant sur le papier, ben on fait tourner l'ensemble. Les résultats augmentent avec l'entraînement. Oui, justement, ça c'est un des points très importants, c'est que comme on l'a vu, là, il y a eu 1 mobile, 4 mobiles, 9 mobiles, ça correspondait en fait une courbe en monteur puissance. Puis après, il m'en a fait un 8, puis après un autre, j'ai refait la manip, le calcul, etc. Donc, oui, il y a un effet d'expérience sur la porte. Est-ce qu'il y a eu les applications, en fait, par rapport à ça? Quelles sont les applications que tu vis? Le jeu. Non, mais indépendamment. Ah non, mais tout à fait, elle n'a pas assez de problème. Ah. Si, elle a forcément. Alors, regardez le retour du Jedi. Alors là, c'est forcément. Vous voyez, multi-objet, là, par exemple, là, vous avez. C'est clair, vous avez mobile, vous avez le carrousel, je ne sais pas trop qui tourne à côté. Il y a boule. En même temps, si vous voyez ce qui bouge, c'est une immense carrousel ce qui est autour. Je ne sais pas trop dire mobile avec un truc qui tourne à côté. C'est la pyramide inversée, donc ça c'est notre ami Vincent. Sur une aiguille, on est sur une plaque de verre. Elle est sous vide. Vous le verrez parce qu'à la fin, quand ils ouvrent le truc, c'est peu fleuri. Il y a une vide dans la. Putain, qu'est-ce que ça?
crois qu'il y en a qui sont pressés là. On peut peut-être faire. C'est juste ça, c'était sympa. C'était un truc. Pareil dans les trucs que vous pouvez vous amuser à faire avec vos amis. voilà. Notre ami Vincent avait mis en place une manif chez lui, donc avec des pyramides. Il nous avait donné l'adresse sur Skype, et nous, on devait se connecter et essayer d'influencer la pyramide. Et donc là, moi, je suis à Lyon, en fait, et je suis en train de filmer l'écran, là. Et en fait, Vincent habite à Colombes, à Paris. Et on voit que la pyramide se met à tourner. Alors, c'est des pré-expériences, c'est pas des pros, mais c'est quand même intéressant, et donc, je vous invite à les poursuivre. Mais il y avait quelqu'un sur place ou pas? Non, non, c'était en automatique. Donc, d'ailleurs, il y a mis une montre exprès pour... Dans le style, voilà, donc ça c'est mieux, mais celle qui est le plus sympa, c'est celle qu'a fait Vincent lui-même. Pareil, toujours bien enrobé. Vous allez voir, donc il filme en fait en bas, chez lui. Il a ses deux mobiles. Ensuite, il va à l'étage où il a son PC, là il est sous Skype. Et il va essayer d'influencer sa pyramide, qui est en fait au sous-sol. Alors, je passe à l'étage, ça dure un petit moment, et puis après il descend. Après il redescend avec sa caméra. Il retourne au sous-sol, donc il retourne ses boules. Voilà. Elle tourne encore et ça arrive. Ça arrive. Voilà, bah, je vous propose de finir peut-être là-dessus parce que je crois qu'il y en a qui sont pressés. Merci.